Hello, donc bah, voici notre volant. Comme vous pouvez le voir, c'est assez complexe, il y a pas mal de boutons. Après, finalement, dans l'utilisation, c'est assez simple. On a différents boutons comme la radio, ici c'est pour faire des appels de phare, ici c'est pour voir un petit peu. Après, ici, on a différentes roulettes, en fait, différentes maps moteurs. Là, ça va être pour la direction assistée. Là, ça va être pour la pédale d'accélérateur. Donc voilà, on joue un petit peu avec, en fait, mais surtout en écoutant et en suivant ce que nous conseille l'équipe. Après, vous retrouvez ici un bouton un peu standard, un petit limiteur. Ici, c'est le bouton pour éteindre le moteur, pour les essuie-glaces, pour le CMO, qui nous limite à 80 km/h. On a ici le bouton hyper important pour démarrer le moteur. On a les palettes derrière qui permettent à droite de monter les rapports, à gauche de les descendre. Et ensuite, on trouve ici des roulettes pour le TC. Donc le TC, c'est le traction control. On peut jouer en termes de slip, donc c'est le pourcentage de glisse que ça accepte. Et en gain, c'est la puissance de l'équipe. Voilà.